Je voulais vous annoncer une super nouvelle aujourd'hui. On t'écoute. Car merci, ça fait super plaisir. Car ça y est, c'est officiel. Le 8 février, la Factory Afropéenne sera au divan du monde. Voilà. Oh Le voyage était magnifique. Comme je disais au départ, c'est un voyage au bout des rêves. Mmh. Et ce voyage-là, même si on a dû atterrir ce soir pour cause de temps, j'espère que tout le monde va reprendre son vol dès demain matin pour se battre pour ses rêves. Voilà. Donc ouais, pour moi, ça s'est super bien passé. Si les autres aussi continuent à se battre pour leurs rêves, et comme je demande à chaque personne qui me suit sur Facebook, donc Facebook, mon Facebook c'est Royside officiel, c'est que si vous avez un rêve, j'espère que vous allez pouvoir venir le partager avec moi, me dire si vous arrivez à avancer dans votre rêve. Et franchement, là ça va faire quasiment un an que le premier CD est sorti. Et je me rends compte que plein de gens qui étaient avec moi ont réussi à se battre pour leurs rêves et ont réussi à réaliser leurs rêves. Et franchement, c'est tellement un truc de dingue que je continuerai de partager ce message-là à donf. Franchement, parce que voilà, je veux vraiment que ce soit des mots qui viennent dans la tête de chaque personne. Me battre pour mes rêves chaque jour, à chaque seconde. Par mes écrits, je voudrais marquer les esprits. Dire que tout est possible lorsqu'on a agi, qu'aucun obstacle n'est infranchissable lorsque la paix remplace la rage, quand le cœur est en naufrage. Prendre le temps d'apprécier la vie et cette chance, plutôt que penser à l'échéance, que la vie est magnifique, mais si certains moments en sont tragiques, que ma plume te fasse comprendre que nous ne sommes pas si différents et que l'on peut se comprendre, que la guerre n'a rien d'intelligent, que le monde irait mieux si nous étions ensemble, que les plus grandes décisions sont venues de peu d'humains en action. J'ai ce rêve de rassemblement, laissez-moi propager mon effet papillon, j'en rêve. Comment ça va? Ça va, ouais. On est là tranquille, la chaleur était comme dans un vol, tu vois, quand on dit il fait 35 degrés dehors, 40, 45 degrés, c'était la même chose. Ouais. Franchement, je suis super heureux d'avoir fait ça au Kayatid, d'avoir pu propager l'idée, enfin pas l'idée, que simplement dire à tout le monde voilà, qu'il faut se battre pour ses rêves. Je rêve que ça devienne réel. Hey, comme un jour de triomphe, le peuple se lève, écrit fini les révolutions, la paix règne. Quand aux cicatrices, elles n'existent plus, enfants chantent, l'espoir se disparaît, la pluie. Levez les yeux vers le ciel, arc-en-ciel jaillit, le soleil quant à lui prend la place de la nuit. Derrière les montagnes, la grisaille s'efface, laisse sa place au bonheur qui illumine le regard de ceux qui, comme moi, ont fait ce rêve. Voir un monde meilleur où la guerre fait une trêve et des sourires plein les lèvres, peignant chacun des cœurs d'une palette de couleurs. Tout le monde était super réceptif. Et franchement, je suis ultra content de tout ça. J'ai vu plein de sourires. Franchement, ça fait du bien quand on voit ce qui se passe aux alentours et tout. On se dit voilà, là, super rassemblé, super ensemble et tout, bah ça peut faire un truc de ouf. Et ce soir, c'était vraiment, vraiment ouf. Ma vie est une vague qui s'échoue sur la plage. Qui revient s'abandonner sur un rivage, amenant avec elle les détritus de sa rage. Elle marche dans le sable, mais ses pas sont instables. S'efface quand la marée basse laisse sa place. Je passe mon temps à contempler ce qui s'y passe et écrit les yeux postés vers l'horizon. À tous ceux qui n'étaient pas là, ouais, et ceux qui sont là, qui vont visionner après, qu'il faut se battre pour ses rêves. C'est pas que ce soir, c'était une idée que je partageais, puis voilà, c'est vraiment un mode de vie à avoir.
Et il faut vraiment l'avoir, il faut foncer, peu importe ce qu'on vous dit. Plein de gens ne croiront pas en vous, d'autres vous détesteront, d'autres vont vous aimer, d'autres vont vous épauler. Mais foncez, on n'a qu'une seule vie et il faut profiter un max. Le poing levé, un peu de patience pour avancer. Chaque seconde se doit d'être épuisée. Peu importe d'où tu viens, tu dois d'exceller. Peu importe le domaine que tu as décliné. Tu sais d'où tu pars, il ne faut pas l'oublier. Chaque élément de son histoire, donc il faut l'assumer. Cherche à être le meilleur, déterminé à n'importe quelle heure. Lève tout coucher tard, j'organise pour éviter le retard. La voie d'avancer, n'attends pas le petit aide. J'en viendrai dans ta route, tu crois, et vite leur pièce. Les gars, sans patience, laisse parler les gens. Ne parle pas après les grands soirs, rien de toi à t'essayer. Rien de toi à t'assommer, vite ta vie ne l'arrête pas. Pourquoi Royside? Royside parce que ça signifie les différentes facettes de celui qui n'écoute pas. Donc d'accord. En gros, pour moi, chaque humain a ses facettes. On est un moment drôle, un moment triste. On est, on passe par tellement d'émotions que voilà. Pour moi, j'ai plusieurs visages comme tout le monde. Mmh. Et puis voilà, toutes les différentes facettes de celui qui n'écoute pas. Car je n'écoute pas ce qu'on me dit, je fais totalement le contraire. On peut me dire d'arrêter la musique, je vais continuer. On va me dire de continuer, je vais le faire comme je le sens et puis point final. C'est un appel au secours venant d'un enfant trop apeuré qui me demande son secret, je peux le partager. Tant bien que mal, je tentais de l'expliquer. Car ce n'est pas le seul qui dans sa vie n'a fait qu'endurer. Au comme trois pommes, son visage comme ses yeux sont marqués. La peine a trop souvent enlacé, souffre douleur à 16 heures. Son destin a peint par la couleur, pourpre de la peur, il en a versé des fleurs. Malgré son très jeune âge, la vie ne l'a pas épargné. Se demande pourquoi avoir ce droit d'exister. Vu que plus autour de lui, lui témoin de l'amour, c'est qu'il aurait voulu, c'est juste qu'on lui fiche la paix. Il en a marre de se faire brutaliser. Il veut pouvoir enfin jouer comme les autres. J'ai mal de raconter son histoire, car autant que son cœur elle est chargé de désespoir à l'évidence. La vie est loin d'être une danse, lorsque le désespoir t'entraîne dans sa malchance. Mais méfiance malgré certaines circonstances, avance et laisse personne briser tes chances. Comme l'envol du blanche colombe, instaure la paix dans ta tête et fais face à ton ombre. Un jour le désespoir s'enfuira et laisse à la place au bonheur qui est en toi. L'idée d'avoir des musiciens avec toi, c'est quelque chose qui est venu comment? Parce qu'à la base, toi tu... T'avais des instrus, tout ça, mais là, du coup, pour le live, tu voulais vraiment... En fait, quand j'ai sorti mon album en mars dernier... Oui, parce que tu as sorti un album. Voilà. Qui s'appelle... Qui s'appelle... L'effet papillon. Voilà. Volume 1, car la suite arrive. Enfant, tu tombais, mais tu t'es relevé. Qu'est-ce qui t'empêcherait d'y arriver? Ce nouveau défi, si tu l'as, c'est qu'un jour la vie sourit, ton passé te regarde, alors agis. Je sais que rien n'est simple, que la peine t'étouffe. Contre la vie, tu portes plainte à bout de souffle. Je crois en vous, car moi aussi j'ai été comme ça. Oui, j'en suis sûr, vous y arriverez. Et un jour, pour sortir de ce gouffre, j'ai pris ma plume. En fait, dans cet album, je mets les fondements de tout ce qui est le combat pour un rêve, c'est-à-dire les doutes, les questions qu'on peut se poser et tout. Et en fait, pour pousser les gens à évoluer au maximum, je fais aussi moi-même évoluer ma musique. Parce que c'est bien beau de dire aux gens, foncez pour vos rêves, mais si nous-mêmes, en tant qu'artistes, on reste cantonné dans le même univers, etc., c'est pas comme ça qu'on peut faire. C'est pas comme ça qu'on peut faire avancer les autres. Et donc pour moi, il fallait que je fasse évoluer ma musique sur de l'acoustique et du vrai live. Je ne suis qu'un homme. Juste un homme, et dans les bras de ma mère que j'ai soulagé mes plus grandes peines. C'est énorme, mais je suis qu'un môme qui a grandi sans prendre le temps de penser ses hématomes. Être un homme, c'est se regarder dans la glace sans se voiler la face et faire face. Être un homme, c'est être responsable de ses actes, sur jeter la faute et surtout en prendre note. En fait, c'est juste de l'amour pour la musique et seul déjà j'aime à partager cet amour, mais là avec de la musique derrière, mais sincèrement c'est ouais. L'extase, c'est tout. Il suffit d'un éclair, faire un plan en allant qui libère ton talent du bout de ton pinceau, d'une feuille et d'un stylo, fais de tes idées haut, le plus beau des tableaux. Comment faire? Il faut de la matière, du terre à terre, l'imaginaire, allier les faits divers avec l'art et la manière, le bon comme le mauvais, les dons comme les méfaits, tous les aspects que l'humanité revêt.
mais encore la persévérance, la patience, des efforts, le bon sens, d'accord, de la conscience et du corps pour tracer le décor. Parfois ça part des peurs, de la rage, des pleurs pour donner du courage dans ce message venu du cœur. Qu'importe les honneurs, les multiples affronts du camp, dira-t-on, tant que toi tu vois ta valeur. Karim à la basse, excellent. Il y a Philippe à la batterie, Moklos à la guitare, NJ à la voix et l'autre MC qui est avec moi qui dépote tout ce qu'il faut, c'est mon ami Phil de l'air. Fais-toi une mesure, ce n'est pas une corvée, je peux te l'assurer, tu vas envoyer la poupée. Si tu ne vois pas dans cela la puissance qu'il y a, souviens-toi la première fois où tu te tortillas. Si tu végètes, voilà la recette qui t'empêche de t'étaler comme une galette. Avec elle, si cela te plaît, tu peux sauter, tu peux vraiment te poiler, tu n'as qu'à l'appeler. Politique immédiate, tout diable de salade, la police d'amende et de pêche, on balance la patate. Face au monde généré par la société, garde la sacrée, un sentiment de satiété. Et plus je t'ai donné que du bonheur pour ta pomme, tu gagnes à la com', niquez, ne sois pas trop économe. Si les carottes sont cuites, dis-toi, ça transite, en toi tu as la fibre qui délivre l'Afrique, et c'est la patate. Alors la connexion, elle s'est faite sur les soirées d'Adja. On s'est rencontrés là-bas et on a sympathisé, on a discuté, on a fait quelques meufs ensemble. Ouais. Et après, c'est devenu un adepte des musiques de Sauvage, Jam que j'ai aimé jusqu'à quelques temps. Et puis à partir de là, on s'est revu souvent en dehors aussi. Donc t'avais déjà posé avec lui comme ça en freestyle plusieurs fois. Plus en freestyle. Là, on a décidé d'écrire un truc ensemble en commun. D'accord. Voilà. Donc c'était c'était une fausse impro là. On n'y croyait pas trop. Non, bon. C'était une impro répétée plusieurs fois. D'accord. Ok. C'était ça. Ok. En tout cas, merci. Les gens étaient géniaux. Mm-hmm. Un vrai partage. Si. Et comment ça se fait qu'on t'ait jamais encore en live ici, je veux dire en showcase? La patience est une vertu. Ouais, tu te fais désirer. Ouais, non, c'est pas ça, c'est que pour l'instant j'ai rien remonté avec des musiciens vu que ouais. Je travaillais, c'était très comme c'était jam, c'était vachement du bœuf chaque fois, mais préparer un truc je l'ai fait à une époque, mais avec d'autres musiciens, et on se voit plus. Mais prochainement je pense que c'est quelque chose, un projet plus personnel, je crois. D'accord, ok, sinon t'écris tous les jours quoi. Ouais, franchement. Ouais. Ouais. Merci à vous. Un tonnerre d'applaudissements pour vous tous, s'il vous plaît. Ouais, R-O-Y-S-I-D-E. T'as participé et tout. On m'a dit que tu as participé activement. À la soirée. Voilà, tu t'as même géré la logistique ou quoi. Rapidement, mais ça c'est la femme de l'ombre quoi. On bah dit oui. Que derrière chaque grand homme il y a une femme. D'accord. Moi je suis derrière. Mais Croyside est un grand homme. C'est ça. Oh. Enfin ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme. C'est un grand homme quand même. D'accord, et toi tu es une grande femme alors. Enfin de mon haut de 1m62. Ouais. Pas très grande. Non et voilà. Moi j'ai trouvé que ça s'est bien passé, tout le monde a apprécié. Ouais. J'étais surpris parce que moi je te voyais tout le temps avec lui, mais jamais chanté. Voilà. Oui, tout le monde m'a demandé alors comme ça tu chantes. Mm-hmm. Je savais pas non plus. D'accord. Donc si c'est une découverte pour vous, c'est une découverte pour moi aussi. C'est une D'accord. découverte pour tout le monde en fait. Tout le monde a découvert. Ok, et tu penses réitérer l'expérience? Ben si c'était vraiment aussi bien que ça, pourquoi pas. D'accord. Apparemment tout le monde m'a dit de continuer. Donc, bah, oui. Suivre la vie générale. Ça fait 3 ans maintenant que je suis dans la factory. J'ai commencé en tant que touriste. Là, cette année, depuis la rentrée 2012, donc depuis le mois de septembre, la factory connaît un tournant dans son histoire. Et on a eu l'honneur d'être rejoint par Sohan, par exemple. C'est toi qui l'honneur. Voilà, parce que un honneur parce que grâce à elle, nous avons une section jazz. D'accord.
Donc je m'occupe de, comme le dit si bien Marie, du groupe labo Free and Freaky States of Jazz le mardi soir depuis la rentrée. Alors moi je suis une toute nouvelle et je suis super contente du groupe, ça se passe super bien. Tout le monde s'éclate et j'espère que ça va se cater de plus en plus et de mieux en mieux et de plus vite possible. Et tous les gars, on est opérationnel pour donner la bonne vibe. Oui, celle que t'aimes, peu importe le style. Ce qui compte, c'est qu'on s'envole. T'inquiète, ici c'est roots, hip hop et reggae. Nous sommes plus des enfants, ouais. Nous sommes plus des adolescents. C'est à nous de montrer le bon exemple. C'est à nous de transmettre nos connaissances. Lolo, ils veulent une jeunesse qui avance, une jeunesse sans violence. Prêt à prendre conscience, mais c'est à travers l'expérience que tu acquiers la connaissance. Donnez-leur une chance de prouver leur compétence. Je m'appelle Jay, voilà, musicien sur Paris et ailleurs d'ailleurs. Bah oui, pourquoi juste Paris? Pourquoi juste Paris? On est voué à aller partout où il y a du bon son, où il y a de la bonne vibe, c'est cool. Voilà, et ici justement, c'est un peu la récré, on se rejoint avec les potes et puis. Attends, il faut que je regarde là ou faut que je te regarde? Tu peux me regarder si tu veux. Ouais. Si, si. Elle pas l'habitude des interviews encore. Ah, désolé. Voilà, donc c'est une bonne ambiance ici, donc c'est avec plaisir qu'on vient au rendez-vous les lundis. Quoi. Ouais. Voilà. Toi, tu joues souvent de la batterie? Ouais, je joue souvent à la batterie. Ouais. Mais tu joues c'est aussi. Je suis percu, batteur, j'ai d'autres formations, et puis voilà. Donc, si je vais m'éclater, donc c'est le rendez-vous, quoi. Bah ouais. C'est cool. Et du coup, toi, tu as l'habitude de faire beaucoup de jams, je suppose? J'ai l'habitude de jammer, mais on en revient parce que ici, vraiment, c'est convivial, quoi. Je vais pas faire un focus sur les cariatides, mais vraiment, là, tu m'interviews à côté des cariatides. Ah ouais, attends, je t'ai donné un billet pour... vas-y, fais passer. Non, je jam, je joue dans... À côté de ça, c'est dans un autre délire. Je suis batteur au Georges V, ambiance palace, ambiance cravate. D'accord. C'est un autre délire. Et voilà, je suis résident là-bas. Et puis, d'accord. Et puis j'ai des projets aussi perso. C'est surtout ce qui me tient à cœur. Ouais. Un projet perso qui est groove électro. Voilà, je suis en train de monter nos petits lives et puis essayer de marcher pour faire des petits showcases à droite à gauche. Bah c'est cool. Donc ça veut dire que toi, à l'heure actuelle, tu vis de la musique. Je suis intermittent. Intermittent. Je suis intermittent et le statut est presque en péril. On attend un petit peu les messages du gouvernement. Aïe, aïe, aïe. Moi c'est Axel Bob, chanteur, compositeur et interprète de mes morceaux. Voilà, une bonne ambiance au Cariatide ce soir, on va prendre un petit peu la vibration administrée par Sisdi, une sœur de longue date. Voilà, que je connais depuis un petit moment déjà. Ouais. Et donc voilà, Axel Bob, chanteur. Chanteur de reggae en ce moment, mais... T'as plusieurs cordes à ton arc. Oui, j'ai quelques cordes à mon arc.
je l'ai pendant quelques années, chanteur lead d'un groupe qui s'appelle Urban Groove Unit. Et voilà, donc j'ai connu Kateb justement par cette occasion. Donc Kateb qui est un des professeurs de la factory, voilà, voilà. Afro-PN, ouais. Que je suis via internet et tout. Et donc Kateb, voilà. tu l'as vu s'épanouir, quoi. Je l'ai vu s'épanouir, ouais, et quel épanouissement. Ah bah oui. Donc il faisait nos premières parties, et puis maintenant, voilà, on continue son chemin. Mm-hmm. Voilà. Et toi d'ailleurs, t'es toujours sur la scène? Ouais, toujours. Ouais. Là j'ai remonté un groupe qui s'appelle Soul With Az. Mm-hmm. Donc S-O-U-L, plus loin, W-2-E-D-A-Z. Soul With Az. I just wanna tell you that, because the world is hard and crazy, you know. It's so, yeah, yeah. Don't trust the politicians who telling you some lies. Lies. The African history. Don't trust the liars. Don't trust the people liars. D'accord. Under the rain, under the floor, under the rain. Under the rain, under the floor, under the rain. Under the rain, under the floor, under the rain. Under the floor, under the rain. Seigneur me pardonne si je veux marcher sur le ciel. J'ai point de divine dans la tête, la piscine et le logiciel. Carapace artificielle, c'est ainsi que j'appelle mon corps. Quand j'en sors, c'est comme la mort, je m'en relève comme une porte. La lumière prend la nuit et quand les touches à ses produits, les hyènes deviennent des bergers. Depuis les potes, les hiéroglyphes, hébergés dans la GN. Les dupes, que peut maudire, être un peu moins de motifs. Et toujours pour ses hobbies, j'ai surmonté tous mes chagrins. J'ai rechargé tous mes chakras. Tous les deux, vous faites partie, vous faites dingo d'un groupe. En fait, d'un groupe. Non, on joue ensemble, en fait, on joue ensemble un petit moment, quelques mois, et on n'a pas encore, mais on se calme bien ensemble. On s'est déjà trouvé, en fait, mais on cherche encore un tout petit peu. Lui, il n'a pas de cheveux, moi, j'en ai plein. On se complète par un voilà. Yin-yang. Je vois. Et c'est cool. Et c'est quoi, du coup, votre style? Alors là, pour le coup, on a... En fait, on a un peu cassé le truc d'aujourd'hui, on a sorti un truc un peu latino, mmh. Des origines de musique brésilienne. Ouais. Puis Guillaume, qui est d'origine réunionnaise aussi, des fois il balance. Il y avait une réunionnaise dans la salle, je suis entendu. Elle est venue voir après. Hein. Ouais. Ah, t'as pris son numéro? Et on a parlé. Non, j'ai pas pris son numéro, j'avais pas de stylo sur moi. J'ai pas... Ah ouais, dommage, hein, elle est lourde. Elle était jolie, ouais. Elle était très belle. Ouais. Si. Enfin, on va parler de quoi là des... Alison enfin se décide à venir au Cariatide. Ouais. J'ai encore ton ticket pour la boisson. Tu l'avais pas utilisé? Non, je l'avais perdu du coup. Ouais, non, en fait t'étais parti. Je te l'ai passé, t'es parti tout de suite. Non, je suis restée jusqu'au bout. J'ai vu ta tête quand ils ont demandé est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter. J'ai vu que tu regardais. Je me suis cachée et je suis partie. Ok. Et ce soir donc tu es venu faire quelque chose ou... Je sais pas. Il va faire quelque chose. C'est vrai? Ouais. C'est un rappeur. Yeah! Donc voilà. Un rappeur. Enfin, si okay. Un rappeur qui se prénomme. Dim Nuka. Living niggas in the teas, then I put my answer on Lee, yeah, keep it with ease.